Bonjour, c'est Sandrine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit cours en plein air de Pilates. Allez, on se prépare, je prends conscience de mes appuis avec mes pieds au sol, mon gros orteil, mon talon. Toujours mes trois points d'appui, donc on a bien conscience de son gros orteil, du talon, mais aussi des points d'appui qu'on a sous les coussinets. Un de chaque côté et le talon, toujours. Donc je prends bien conscience de tous ces points d'appui. Je déverrouille mes genoux, pubis et épinière au même plan, d'accord? Donc ma colonne est en neutre, je descends mes épaules, j'ouvre bien ma poitrine, toujours mon fil qui m'étire vers le plafond. Je m'auto-grandis, toujours en conscience et je fais mes respirations profondes. Donc j'inspire, j'ouvre mes basses côtes, c'est le bas de la cage thoracique qui souffle, je ne monte pas mon sternum ni mes épaules. Et je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je m'étire. J'inspire et je souffle. On remonte le périnée, on creuse le ventre, on s'étire, on allonge la colonne comme si on voulait faire de l'espace entre chaque vertèbre. J'inspire et je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je m'étire. C'est un moment pour moi, j'essaye de vraiment être sur mes sensations et sur ma respiration. J'inspire et je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, j'étire mon dos, j'étire ma colonne, j'enroule mes épaules doucement vers l'arrière. Une et puis l'autre ensuite. Je détends mon haut du dos. Aspirez bien le nombril. Étirez-vous. Toujours dans l'étirement. On étire. Allez, mobilisation un peu pour les cervicales. Mon crayon sur le nez, ma feuille sur le nez. Et je fais mes 8. Debout d'abord. Allez, toujours mon fil qui m'étire et je fais mes 8 plats, signe infini, je vais doucement. J'essaie de bien sentir mes cervicales qui se mobilisent. On détend son haut du dos. Super, petit pas. Allez, hop, on échauffe un petit peu le bas, les chevilles, les genoux, l'articulation des hanches. Je creuse bien mon ventre, mon bassin ne bouge pas, pas de bascule. Allez, super. Creusez bien le ventre, étirez-vous. Je stabilise et je fais des petites rotations de bassin. Allez, d'un côté, creusez bien le ventre, de l'autre côté. Super. Aspirez bien le nombril, creusez le ventre. Rotation. Très bien. Je reviens au centre. Petite bascule. J'inspire, je souffle, bascule de bassin, je creuse mon bas-ventre. Le bas du ventre se creuse, le bas du dos s'étire, je ne contracte pas mes fessiers. Et j'inspire, je reviens. Je souffle, bascule. J'inspire, je reviens. Attention à vos épaules. Je souffle, bascule. Et j'inspire, je reviens. Je souffle, bascule. On creuse le ventre, on s'étire. Et j'inspire, je reviens. Je souffle, bascule. J'inspire, je reviens. On essaie de rythmer un petit peu le mouvement comme une balançoire qui va de devant à derrière. Super. Avant, arrière. Je creuse bien mon ventre. Et je relâche. Je repasse en position neutre de mon bassin. Je prends conscience de mes appuis avec mes pieds au sol. Je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, un peu d'équilibre. Si vous n'avez pas du tout d'équilibre, vous tenez soit une chaise, soit au mur. Allez, grandes inspires, grandes expires, j'en fais 3. J'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je m'auto-grandis. Encore une fois, j'inspire et je souffle. Je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je m'auto-grandis. Toujours mon fil derrière ma tête. Une dernière fois. J'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. Je m'auto-grandis, attention le genou d'appui bien déverrouillé et je commence à faire des cercles avec l'articulation de ma hanche. Je souffle à l'extérieur du cercle et j'inspire à l'intérieur, on y va ensemble. Je souffle et j'inspire, mon bassin ne bouge pas, pas de bascule. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, encore. Je souffle, j'inspire, encore une fois, soufflez. Inspirez une dernière fois dans ce sens. Je souffle, j'inspire dans l'autre sens. Allez, on inspire à l'intérieur, on souffle à l'extérieur. Encore. J'inspire, je souffle.
Allez, je mobilise l'articulation de ma hanche. Super, encore un. J'inspire, je souffle. Remontez le périnée et étirez votre taille. On garde toujours la même distance entre les côtes et les hanches. Et on relâche, super. Allez, on détend un peu d'un côté, de l'autre. Et on fait l'autre jambe. Allez, hop, je monte ma jambe. Je prends bien conscience de mes appuis avec mes pieds au sol. Je déverrouille ma jambe d'appui. Je reste 3 respirations comme ça. J'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je m'étire. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je m'étire. Ma poitrine reste bien ouverte. Encore un, j'inspire, je souffle, remonte le périnée, creusez le ventre. Petit cercle, allez, rotation de hanche. Je souffle à l'extérieur, j'inspire à l'intérieur. Je souffle à l'extérieur, j'inspire à l'intérieur. Parfait. Encore, je souffle. Et j'inspire, je reviens au centre. Je souffle à l'extérieur, j'inspire à l'intérieur. Je souffle, j'inspire, je m'étire dans l'autre sens. J'inspire, je souffle à l'extérieur. J'inspire et je souffle. Encore une fois. Je souffle, j'inspire, je souffle. Encore un, garde son équilibre. J'inspire à l'intérieur, je souffle à l'extérieur. On fait le dernier. J'inspire, je souffle et je relâche. Parfait. Allez, on relâche. On détend un petit peu. Super. Et on fait nos enroulements de colonne vertébrale. Allez, on inspire, on souffle, on enroule la tête, les épaules, milieu du dos, bas du dos. J'inspire en bas, je ne bouge plus. Et je souffle, je contracte mes fesses, je creuse mon ventre et je déroule ma colonne vertébrale. Encore une fois, j'inspire, je souffle, j'enroule ma tête, mes épaules, milieu du dos, bas du dos. J'inspire en bas, si vous avez mal en bas du dos, on fléchit les genoux. Et je souffle, je contracte mes fesses, je creuse mon ventre et je remonte doucement. Une dernière fois, j'inspire, je souffle, j'enroule ma tête, la colonne s'étire comme s'il y avait un obstacle entre les cuisses et le buste. J'inspire en bas, je ne bouge plus, je souffle, contractez les fesses, creusez le ventre et on remonte. Doucement. Et on ouvre la poitrine. Super. On ouvre les pieds à 45 degrés. D'accord. Les genoux déverrouillés. Donc là, pareil. On va faire un peu d'équilibre. Donc si vous n'avez pas d'équilibre, vous prenez une chaise, vous vous tenez. J'inspire. Je vous montre d'abord. Je souffle. Je passe ma jambe devant. Et je fléchis mes genoux en même temps. Hop. J'inspire. Je me redresse. Et je souffle. Je tape sur le côté. J'inspire. Je souffle. Je tape derrière. Et je reviens au centre. D'accord? Donc, je vous remonte, ça fait. J'inspire et je souffle. Tape, tape, tape. Et je reviens à l'inspire. Je me prépare, je vous montre une autre fois. J'inspire, je souffle. Tape, tape, tape. Et je reviens. D'accord? Petite flexion au niveau des genoux, au niveau des hanches. Toujours le dos droit, on remonte bien son périnée, on creuse le ventre. Allez, on y va. On inspire, on souffle. Tape devant, tape côté, tape derrière, je reviens. J'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, toujours mon fil derrière ma tête. Tape devant, tape sur le côté, tape derrière, je reviens. Encore une fois, j'inspire, je souffle. Tape devant, tape sur le côté, tape derrière, je reviens. Encore, allez, j'inspire, je souffle. Tape devant, tape sur le côté, tape derrière, et je reviens. Encore un, allez, devant, côté, derrière, je reviens. Devant, côté, derrière, je reviens. J'inspire, je souffle. Devant, côté, derrière, je reviens. Encore. J'inspire, je souffle. Devant, côté, derrière, je reviens. Encore un. Allez, je souffle un peu plus vite. Devant, côté, derrière, je reviens. Attention, quand vous fléchissez le genou, il part bien dans l'axe du pied. J'inspire, je souffle. Devant, côté, derrière, je reviens. Devant, côté, derrière, je reviens. J'inspire, je souffle. Devant, côté, derrière, je reviens. Encore un. Devant, côté, derrière, je reviens. Et je relâche. Parfait. De l'autre côté. Allez, les pieds ouverts à 45 degrés. Quand les genoux se fléchissent, ils partent dans l'axe des genoux. Je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. J'inspire, je souffle. Tape devant, tape côté, tape derrière, je reviens. D'accord? On y va ensemble. Allez, devant, côté, derrière, je reviens.
J'inspire, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. Devant, côté, derrière, je reviens. Encore une fois, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, j'ouvre ma poitrine. Devant, côté, derrière, je reviens. Attention aux épaules, elles ne montent pas aux oreilles. J'inspire, je souffle. Devant, côté, derrière, je reviens. Encore une fois, devant, côté, derrière, je reviens. Allez, bassin toujours en neutre. Devant, côté, derrière, je reviens. Un peu plus vite. Devant, côté, derrière, je reviens. Devant, côté, derrière, je reviens. Devant, côté, derrière, je reviens. Une dernière fois. Devant, côté, derrière, je reviens. Et je relâche. C'est les fessiers qui travaillent. Super. Allez. On refait un enroulement de colonne. J'inspire, je souffle. J'enroule ma tête, mes épaules. Milieu du dos, bas du dos. Je mets le bout des doigts sur mon tapis et je viens fléchir mes genoux. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle avec les bras. Allez, on fléchit bras et jambes. Super. Posez le ventre. Parfait. Allez, très bien. On étire, sauf si vous avez mal au dos, bas du dos si ça tire trop. Là, vous laissez les genoux un peu fléchis. J'ai ma main sur mon tapis, j'étire bien ma colonne vertébrale, je creuse mon ventre. J'inspire, je souffle, j'ouvre, torsion. Et j'inspire, je reviens, le bassin ne bouge pas. J'inspire, je souffle, torsion de l'autre côté. Et j'inspire, je reviens. Je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. Je souffle, torsion, adduction au niveau du nombril. Parfait, on étire. Et j'inspire, je reviens. Encore une fois, on remonte son périnée, creusez le ventre. Parfait. Je reviens, une dernière fois de chaque côté. Je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. Torsion. J'inspire, je reviens. Une dernière fois. J'inspire, je souffle, torsion. Je reviens et je relâche. Je mets mes genoux sur le tapis et j'étire. Parfait. Position 4 pattes. Allez. Donc j'ai mes mains qui sont bien en dessous de mes épaules. Je pousse dans mes bras. J'ouvre bien ma poitrine. Légère extension de colonne vertébrale. D'accord ? Mon bassin est en neutre. Les os des hanches fixent bien vers le sol. Mes genoux sous mes hanches. Je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, j'aspire mon nombril, je souffle, je viens étirer ma jambe derrière. La jambe s'étire, le fessier se contracte. Et j'inspire, je reviens doucement. Je souffle, je pousse bien dans mes jambes, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, j'étire ma jambe. Très bien. Et j'inspire, je reviens doucement. Une dernière fois, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. J'étire ma jambe derrière. Je garde la jambe étirée. J'inspire, je souffle. Je passe du côté droit. On essaie de ne pas bouger le bassin. J'inspire, je reviens. Et je souffle du côté gauche. Et j'inspire, je reviens. Attention à votre bassin. Je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. Je souffle droite. J'inspire milieu. Je souffle gauche. J'inspire milieu. Encore une fois, je pousse dans mes bras. Je remonte mon périnée. Je creuse mon ventre, je souffle droite, j'inspire milieu, je souffle gauche, j'inspire. Allez, on y va côté, un peu plus vite. Milieu, côté, milieu. On contracte bien le fessier pour ne pas laisser partir le bassin. Un peu plus vite. Allez, côté, milieu, encore. Côté, milieu, encore une fois. Côté, milieu, encore. Côté, milieu, une dernière fois. Côté, milieu, et on relâche, c'est parti. Allez, on fait l'autre côté. Donc, je prends bien appui dans mes mains, d'accord? Comme si je poussais le sol avec mes mains. Je descends mes épaules, j'ouvre ma poitrine, je creuse mon ventre, on fait attention au placement du bassin. Je prends bien conscience de mes appuis avec mes jambes au sol, j'inspire, je souffle, j'étire ma jambe. Je sens tous les muscles de ma jambe travailler, le fessier se contracte. Allez, j'inspire, je me prépare, je souffle, j'étire ma jambe, j'inspire, je reviens, on le fait trois fois. Je souffle, j'étire, j'inspire, je reviens. Je souffle, j'étire, j'inspire, je reviens une dernière fois.
Je souffle, j'étire. J'inspire, je me prépare. Je souffle, côté gauche. J'inspire, je reviens au centre. Je souffle, côté droit. J'inspire, je reviens au centre. Je souffle gauche. J'inspire au milieu. Je souffle droit. J'inspire, je reviens au centre. Toujours la jambe bien étirée. Je souffle gauche. J'inspire au centre. Je souffle droit. J'inspire au centre. Je souffle gauche. J'inspire au centre. Je souffle gauche. J'inspire au droit, pardon. Je souffle. J'inspire au centre. Un peu plus vite. Allez. Je souffle côté. J'inspire au centre. Je souffle côté. J'inspire centre. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Je souffle côté, j'inspire, je souffle côté, j'inspire. Allez, côté, centre, côté, centre. Côté, centre, côté, centre. Encore un. Côté, centre, côté, centre. Une dernière fois. Côté, centre, côté, centre. Et je relâche. Super. Allez, on relâche bien. Et on passe en position allongée sur le ventre. Allez, la tête sur les mains, les jambes écartées, largeur tapis. Je descends bien mes épaules et je creuse mon ventre. Donc dans cette position, il faut faire attention de descendre les épaules volontairement. Je descends les épaules et j'ouvre bien ma poitrine. Pubis au sol, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je souffle, je monte le haut du dos. Toujours mon fil derrière ma tête qui m'étire vers l'avant. La poitrine s'ouvre, les omoplates glissent dans le bas du dos. Je m'étire. Et j'inspire, je reviens. Travail du haut du dos ici, on sait de pas des bras pour monter. Je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je souffle, je monte, j'étire. J'allonge ma colonne vertébrale. Et j'inspire, je reviens. Faites attention, pas de bascule de bassin. Le pubis est bien collé au sol, on contracte les fesses. Pubis au sol, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je monte, j'étire. Et j'inspire, je reviens doucement. Encore un. Je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. On ouvre la poitrine, on s'étire. Et j'inspire, je reviens. Encore un. Remontez le périnée, creusez le ventre. Étirez-vous. Creusez, creusez, étirez. Et j'inspire, je reviens doucement. Encore une fois. Remontez le périnée, creusez le ventre. On ouvre la poitrine, on creuse son ventre, on s'étire. Et j'inspire, je reviens doucement. Encore un. Allez, on remonte le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. Toujours mon fil derrière la tête qui m'étire vers l'avant. Je ne cherche pas la hauteur, je cherche l'étirement de ma colonne. Allez, je monte, les épaules s'abaissent, la poitrine s'ouvre, les omoplates glissent dans le bas du dos. J'inspire, je reviens. Une dernière fois, remontez le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. Et on relâche. Je mets mes mains à côté de mes épaules, je pousse dans mes bras, je creuse mon ventre et j'étire. Allez, on passe sur le côté. Sur le côté, je suis en appui sur mon avant-bras. On fait bien attention, le coude doit être bien en dessous de l'épaule. Je pousse dans mon coude pour bien éloigner mon épaule de l'oreille. Je glisse mon omoplate dans le bas du dos. Bien venir étirer ma taille, d'accord? Les côtes et les hanches toujours à la même distance. Si vous avez des problèmes d'épaule, si vous avez mal à l'épaule, vous gardez le bassin au sol. Si ce n'est pas le cas, on monte le bassin, d'accord? Donc la force, elle est là, d'accord? Vous ne devez pas faire souffrir votre épaule, toujours bien pousser dans son coude, d'accord? Pour garder sa posture. Je viens étirer ma jambe et je mets mon bras au-dessus de la tête. Attention, on ne monte pas l'épaule à l'oreille. Donc, je regarde le sol, d'accord? J'étire, toujours mon fil derrière ma tête. J'inspire, je souffle, ma jambe monte et ma main rejoint ma jambe. Et j'inspire, je reviens toujours dans l'étirement et ma tête de nouveau se tourne pour regarder le tapis. Je refais, je souffle, je monte et j'inspire, je reviens. Toujours le mouvement contrôlé, on tire toujours bien l'omoplate dans le bas du dos. On y va ensemble, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. Si vous avez des problèmes d'épaule, on garde le bassin au sol. Et j'inspire, je reviens. Pensez à vous étirer toujours. Je souffle. Parfait. Et j'inspire, je reviens. Encore un. Remontez le périnée, creusez le ventre, étirez la jambe, étirez la colonne. J'inspire, je reviens. Encore un. Je souffle. Creusez le ventre. J'inspire, je reviens.
Encore une fois. Allez, courage. Je souffle. J'inspire, je reviens. C'est le dernier. J'inspire, je souffle. Creusez le ventre. Parfait. J'inspire, je reviens. Et je relâche. On étire un petit peu. Super. Allez. On passe en position assise avec les talons plantés dans le sol. Les genoux fléchis et j'ai mes os des fesses qui plantent aussi dans le sol. Je mets mes bras en cosaque, donc un bras au-dessus de l'autre. J'ouvre ma poitrine, je descends mes épaules loin de mes oreilles. Je fais glisser mes omoplates dans le bas du dos. Un exercice un peu particulier où on va faire intervenir les yeux, d'accord ? En fait, les yeux vont venir guider votre mouvement. Et on va le voir vraiment dans cette posture, dans cet exercice. Donc ici, les deux yeux sont ouverts. Je regarde devant, je suis au centre. Je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. Je vais fermer l'œil gauche et je vais tourner vers la droite. Et en même temps, je regarde vers la droite. Ça tourne au niveau du nombril. Il n'y a que ma colonne qui tourne. Le reste du corps suit le mouvement. D'accord ? Mon œil gauche est fermé, je regarde vers la droite. J'inspire, je reviens au centre. Les deux yeux s'ouvrent. Je souffle, je vais vers la gauche, c'est mon œil droit qui se ferme et mon regard se porte vers la gauche. J'inspire, je reviens au centre, j'ouvre les deux yeux. Je souffle, je ferme l'œil gauche, je regarde vers la droite. Très bien. J'inspire, j'ouvre les deux yeux au centre. Je souffle, je ferme l'œil droit et je vais vers la gauche. Très bien, pensez à votre fille qui étire votre colonne, hein, toujours. J'inspire, je reviens au centre, les deux yeux s'ouvrent. Je souffle, je ferme l'œil au gauche et je regarde vers la droite. Et j'inspire, je reviens doucement. Remontez le périnée, creusez le ventre. Allez, je regarde vers la gauche. Et j'inspire, j'ouvre les deux yeux au centre. Crispez pas le haut du dos, détendez vos épaules, elles descendent toutes seules loin des oreilles. Très bien, ça tourne au niveau du nombril, on sent la taille qui travaille. Toujours ma taille étirée. Très bien. Allez, on en fait un dernier de chaque côté. Hop. On tourne le regard là où on tourne. Super. On revient au centre et on relâche. Les jambes vont ailleurs. Je relâche vers l'avant. Je creuse mon ventre. Les os des fesses qui partent vers l'arrière. Je pousse dans mes genoux, je déroule ma colonne vertébrale. Toujours la même posture. Hop. Le dos bien droit. J'inspire, je souffle. Je passe mon bras derrière. Torsion. Très bien. Et j'inspire, je reviens. Je souffle. Torsion. Et j'inspire, je reviens. Encore. Torsion. J'ouvre ma poitrine. Et j'inspire, je reviens. Je souffle. Torsion. Et j'inspire, je reviens doucement. Encore. Allez, toujours votre fil derrière la tête. Torsion. J'inspire, je reviens. Encore un. Torsion. J'inspire, je reviens doucement. Encore une fois. Torsion. J'inspire, je reviens. Une dernière fois. Torsion. J'inspire, je reviens. Et je relâche. Allez, on passe de l'autre côté. Allez, vous vous souvenez, les jambes fléchies, les pieds alignés aux fessiers, je pousse dans mon coude, mon tout coude est exactement au-dessus de mon épaule et l'épaule, elle est loin de l'oreille. Je tire mon omoplate dans le bas du dos, ma taille s'étire. Si vous avez mal aux épaules, on laisse le bassin au sol. Je souffle, je monte mon bassin, je m'aligne, j'étire ma jambe. Je passe mon bras au-dessus de ma tête, je regarde le sol, j'inspire, je souffle, d'accord ? Et j'inspire, je reviens. On y va ensemble. Je souffle, je monte ma jambe, mon bras descend, j'étire. Et j'inspire, je reviens. Je souffle. Allez. Ma tête, elle suit. Mon regard, il suit ma main. Hop. Je souffle, j'étire. Super. Et j'inspire, je reviens. Encore une fois, je souffle, j'étire. Et j'inspire, je reviens. Encore un, je souffle. On creuse le ventre. Très bien, j'inspire, je reviens. Encore une fois, courage, je souffle. On pose en son coude, on creuse le ventre. On revient une dernière fois.
souffle étiré. Inspire, on revient et on relâche. C'est parfait. On passe en position allongée sur le dos. J'étire mes jambes, je fais bien attention à la position de mon bassin. Je cambre pas. Je creuse bien mon ventre pour garder mon neutre. D'accord? Allez, j'ai mes pieds flex. J'inspire, pied pointé, je souffle, pied flex. J'inspire, pied pointé, je souffle, pied flex. Allez, on laisse aller. Ça bouge un petit peu au niveau du bassin. On sent. Super, on fait bouger les fascias, les tissus. On est en rythme avec la respiration. Allez. Super, on continue. Ça, c'est un excellent moyen pour détendre le bas du dos. Très bien. Encore. Super. Pied flex, pied pointé, pied flex, pied pointé, pied pointé. Je monte une jambe. Alors, on monte la jambe, on fait attention de ne pas plaquer ses lombaires. Si vous n'arrivez pas à tendre la jambe, c'est pas grave, on la fléchit. D'accord? Moi, je vais travailler la jambe tendue. Par contre, vous pouvez travailler aussi comme ça. Donc là, je souffle, je monte ma jambe. J'inspire, je la ramène deux coups vers moi, doucement. Je souffle, je change de jambe. Donc, il y a la jambe qui monte et l'autre qui descend. J'inspire, je la ramène. Attention, quand vous ramenez la jambe vers vous, vous ne devez pas plaquer vos lombaires au sol. Souffle, toujours le bassin en neutre. Je change de jambe, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. Je la ramène deux fois vers moi. Je souffle, on travaille l'étirement. J'inspire deux fois vers moi. Je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. Hop, fais attention au bassin, il ne doit pas du tout bouger. Deux fois, parfait. Je souffle, je change. Allez, 1, 2, je souffle, je change, j'inspire, 1, 2, je souffle, je change, j'inspire, 1, 2, pareil hein, si on a les jambes fléchies, je souffle, 1, 2, j'inspire, je souffle, 1, 2, j'inspire, l'autre jambe ne pose pas au sol, allez, je souffle, je change de jambe, 1, 2, attention au bassin, il ne bouge pas du tout, on n'a pas plaqué les lombaires. Les deux jambes s'étirent au maximum, comme si je voulais toucher le ciel avec celle-là, et celle-ci, je les tire au maximum le long du sol. Je souffle, 1, 2, j'inspire, je souffle, je change de jambe. 1, 2, une dernière fois, je souffle, je change de jambe. 1, 2, j'inspire et je relâche. Parfait, allez. Les genoux à la poitrine, je croise mes doigts, il n'y a que mes bras qui sont actifs. Je détends. Je pose mes pieds au sol, les bras le long du corps. J'ouvre ma poitrine. J'inspire, je souffle. Bascule de bassin, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je tire mes genoux vers l'avant. J'ouvre bien ma poitrine. J'inspire en haut, je ne bouge plus. Et je souffle, je redescends le plus doucement possible, vertèbre après vertèbre. Contractez les fesses, creusez le bas-ventre et étirez-vous. Encore une fois, je souffle, bascule de bassin, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. Et je monte doucement, j'ouvre bien ma poitrine. J'inspire en haut, je ne bouge plus. Et je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre et je redescends le plus doucement possible. Encore, allez, prenez bien appui sur vos pieds, j'inspire, je souffle, j'enfonce mes pieds dans le sol, je monte, je creuse mon ventre, tirez les genoux vers l'avant, ouvrez bien la poitrine, les fessiers se contractent. J'inspire, je ne bouge plus en haut, et je souffle, je redescends doucement. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, bascule de bassin, je monte doucement. J'inspire en haut, je ne bouge plus. Et je souffle, je redescends tout doucement. Parfait. Encore un. J'inspire, je souffle, bascule de bassin. Je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. Je monte doucement. J'inspire en haut, je ne bouge plus. Et je souffle, remontez le périnée, creusez le ventre. Redescendez doucement. Et on relâche.
Parfait. Allez, les deux genoux à la poitrine un peu encore. On étire. Je remets les pieds au sol, je bascule sur le côté. Et je viens en position accroupie. Je relâche tout. Je mets une jambe au sol, d'accord, un pied au sol. L'autre jambe est étirée derrière. J'étire le psoas. Je creuse mon ventre, j'étire mon dos, je pousse le bassin vers le sol. On sent bien l'étirement ici, hein, d'accord. On étire son psoas, on descend bien les épaules. Légère extension du haut du dos. Allez, respirez bien, c'est important. Encore un peu. Je passe le poids du corps vers l'arrière. J'étire la jambe qui était fléchie, pointe de pied vers moi. Et là, je tire bien mon bassin vers l'arrière. Plus vous aurez le bassin en neutre et plus vous sentirez que ça tire au niveau de l'arrière de la cuisse. Allez, on s'étire. Descendez bien les épaules et tirez. Vous creusez bien le ventre. On revient dans l'étirement du psoas, je creuse mon ventre, j'étire, je tire bien le bassin vers le sol. On ouvre la poitrine, on détend le haut du dos. On tire bien le genou vers l'avant. Et on revient étirer les genoux aux jambiers. De bassin, le bassin le plus neutre possible, j'ouvre bien la poitrine, pointe de pied tirée vers moi. Je relâche. Allez, on fait l'autre jambe. Tac. J'étire, je tire le genou vers l'avant, le bassin vers le sol. Je creuse mon ventre. On respire correctement, on se détend. Allez, hop, pointe de pied vers moi. On met correctement son bassin, on tire les os des fesses vers l'arrière et on étire. Allez, respirez bien, creusez le ventre, toujours le fil derrière votre tête qui vous étire. De nouveau, on étire le psoas, je tire mon genou vers l'avant, le bassin vers le sol. Des pieds vers vous, le dos bien étiré, les os des fesses qui tirent vers l'arrière, on creuse son ventre, on respire. Allez, respirez bien, sentez bien l'étirement de l'arrière de la cuisse. On reste un peu et on relâche. Je passe de nouveau en position accroupie. J'inspire, je souje mon bassin doucement et je fais des petits pas. Je mobilise mon bassin d'un côté, de l'autre. Hop, 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 hop. Je stabilise, j'inspire, je souffle. Je creuse mon ventre et je remonte. Doucement, je pousse dans l'air avec mes mains, j'inspire, je souffle, j'enroule ma tête, mes épaules, milieu du dos, bas du dos, j'inspire en bas, je bouge plus, je souffle, creusez le ventre, contractez les fesses, le bassin, ramène notre colonne vertébrale, et je souffle, je pousse dans l'air avec mes mains. On prend conscience de ces appuis au sol, vous fermez les yeux,
Prenez conscience de vos appuis, prenez conscience de votre bassin, de votre colonne vertébrale. Prenez conscience de tout ce qui se passe dans votre corps. On prend quelques secondes pour sentir ce qui se passe. Vous vous recentrez. Ouvrez les yeux doucement, on inspire, on s'étire. En poussant l'air avec ses mains, on enroule un peu les épaules. Merci beaucoup, j'espère que cette petite routine vous aura plu. Passez une très belle journée, à très bientôt. Au revoir.